Haddad, je suis le CEO de TPM, Tunisie Place de Marché, organisateur de TDS, le Tunisia Digital Summit. Cette année, le Tunisia Digital Summit, il est à sa 5e édition. Mais en 2017, j'ai eu l'idée de l'organiser en fait, parce que le sujet de la transformation digitale était un sujet très important pour l'économie tunisienne. Nous avons remarqué qu'il y a une opportunité afin de créer un événement où les divers intervenants dans le secteur du digital peuvent discuter, peuvent échanger par rapport à des débats, des sujets qui concernent la transformation digitale des entreprises dans tous les secteurs de l'économie tunisienne. Également, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de technologies, beaucoup de solutions numériques qui sont nouvelles et qui ont un impact direct sur la croissance de l'entreprise et l'amélioration du climat d'affaires et surtout le confort du citoyen. L'édition de 2021 de TDS, elle est particulière parce qu'elle va être hybride. Hybride, c'est un événement où on peut être en mode présentiel, mais également un événement où on peut être en mode virtuel. Donc un visiteur en mode présentiel peut accéder à toutes les activités de l'événement et on offre cet avantage et ces fonctionnalités à tous les visiteurs en ligne qui vont accéder au même titre qu'un visiteur en mode présentiel à toutes les activités uniquement en se connectant sur la plateforme Evento sur laquelle on organise TDS cette année. Sera composé de plusieurs activités, notamment la salle de conférence où on organise des panels et des keynotes présentés par près de 90 experts tunisiens et internationaux. Il y a une trentaine de workshops et ateliers animés par des experts également tunisiens et étrangers. Il y a le networking entre les divers participants exposants, speakers, sponsors, le networking sur place, mais également le networking à travers la plateforme. Ces comptes exposants, ce sont des grands comptes du secteur public et privé, mais également il y a une trentaine de startups qui vont exposer leur savoir-faire aux entreprises intéressées par travailler avec les startups. N'oublions pas également le hackathon, qui est une compétition cette année qui s'intéresse au big data et qui a impliqué 17 groupes d'étudiants et de jeunes diplômés afin de travailler ensemble sur le sujet des data. Je vous invite à vous connecter sur www.tdsconference.n. Vous allez accéder à l'agenda et à toutes les activités de TDS. Que vous soyez en mode présentiel ou en mode virtuel, vous serez la bienvenue à TDS 2021. Merci.